Allez, on attaque. Alors, le cheval de trait de l'usine est le proue du volant. J'allais à l'usine, mais j'ai malheureusement embourbé mon camion dans les marais. Le camion est vraiment bien. C'est moi qui suis nul comme chauffeur. Aidez-moi, s'il vous plaît, et je vous renverrai l'ascenseur. Non, non, c'est bien un camion de merde que t'as pris, hein. Un Transtar. J'ai cru qu'il était dans le mauvais sens. Ok, donc il faut l'emmener, le réparer, faire le plein et l'emmener là-bas. Bon, il n'y a pas besoin de grand-chose. Alors, petite question. Est-ce que Riri, il est capable de prendre ce que je voudrais? Non, j'ai pas l'impression. Ah, j'en connais un qui en serait capable. D'ailleurs, j'ai déjà oublié ce que je voulais voir. Il peut prendre le carburant, mais... Ah, il prend pas la remorque de réparation, lui? D'accord. Je connais un pépère qui serait capable de faire ce que je voulais, mais ça va être... Il a pas d'essence, ça va être chiant. Lui, il est capable de faire ce que je voulais. Ah bah oui, mais il me faut de l'essence aussi pour le... Ouais, non. Non, laisse tomber. Voilà, je voulais mettre ça, plus attelage haut, mais de toute façon, il va falloir que j'ai un peu d'essence, donc... Ça va pas être intéressant. Bref. Donc, il va me falloir un camion plutôt balèze. Plutôt balèze et qui va prendre le petit module de transport là de Pogrim. J'en avais vu un à qui ça allait bien, c'était qui? C'était peut-être au Derry. C'était peut-être au Derry et ça peut être un bon camion sur pas mal de points qui m'empêchera d'être coincé. Je verrais bien un Derry, ouais. L'Azov 53-19, ça pourrait être pas mal aussi s'il prend. Bon, les Tatras, ils prennent pas. D'ailleurs, faut que je ressorte le Tatra 815. On les verront. Est-ce que le petit Azov en est capable? Il va falloir que je le retrouve. Normalement, il n'y a qu'une seule fois chaque camion, donc ça devrait aller. Ah ouais, il est enterré très loin. Il est enterré très très loin, le pauvre. Il en est capable. Ça pourrait changer un petit peu et ça lui va pas trop trop mal, hein. Ça lui va pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme couleur? Oula, elles sont pas belles. J'aime bien celles que j'ai, mais alors les autres sont pas belles. Celle-là, ça passe pas trop mal. Ok, qu'est-ce qu'on a alors? Peut-être du bon moteur, hein, quitte à consommer un peu. Standard, les pneus. Je suis pas trop fan de ceux-là. Bon, c'est les mêmes, hein. Roue de secours. Ouais, elle y est. Schnorkel. Ça y est. Ça. Bon, on va se faire deux ou trois livraisons, donc enfin deux transports de camions. On peut mettre les cornes. Ah ouais, elles se mettent là derrière. Ah oui, très important, très très important. Ok. Bon. Eh ben, on est parti. Ouais, non. Allez, c'est parti. Let's go! Salut Max! Salut Jimbo! Bah, ça va pas trop mal, et vous les gars? Les cornes, tu les as eu comment? Moi je les ai pas, c'est avec les pros. J'ai expliqué déjà. Je l'ai montré en long, en large. C'est avec les pros, faut connecter ton jeu, mais c'était sur PlayStation, t'y as pas droit. Pour l'instant. Ouais, d'accord. C'est un monstre ce véhicule, hein. Si jamais il avait un peu d'essence, hein. Bon, il a un klaxon de merde, ok. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. Dépanneuse de l'extrême en approche. Ok.
Ok, merci, il faudra que je le fasse, je suis sur Series. J'avais expliqué comment le faire, j'avais fait une vidéo dessus il y a une semaine. Qu'il faut connecter ton compte via l'accueil du jeu. Créer un compte sur Prisme Ray, quelque chose comme ça, je sais plus quoi. Je t'ai donné le lien dans la vidéo. Enfin, sous la vidéo. Et si ça fonctionne, tu les as avec le skin du Fleestar. Il y a bien de, oui, il y a bien des ressources là-dedans, je crois. Alors, faire le plein Tow Body. Oh, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a pile ce qu'il faut. Heureusement, je vais pouvoir en récupérer à la station service. Oh, ça va, là, il y a ce qu'il faut. Ça va, là, il y a largement ce qu'il faut. Pour l'essence, il va falloir que je fasse le plein à la station service. Ça tombe bien, je vais y passer. Ah d'accord, je suis passé à travers. Par contre, lui, il faut que je prenne... ouais, ça en baisse. Ah oui, ça se baisse comme ça, ouais, d'accord. Oula, je suis carrément soulevé, mais c'est pas grave. Hop. Allez, viens par là, pépère. Et dedans ou pas? Ça a l'air. Pas très en face, mais ça a l'air d'être dedans. Ou au pire, on va le détacher. Et il va s'y mettre. Voilà. Et bah c'est parti. On va peut-être changer la luminosité. Ok, merci, j'irai voir. Allez, c'est parti. Bon, du coup, le réparer avant d'y aller, hein... C'est un peu un risque qu'ils reprennent quelques taquets. T'es peut-être un petit peu haut. Hop. Une petite photo avec celui-là, une petite photo avec l'autre. Ah, il n'y a pas son module. C'est quand même cool son module. Et il marche vraiment pas mal. Il y a juste le petit défaut du truc là qui est en position soit levée soit baissée, là où il y a les roues qui se posent dedans là. Ça c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas pas que ça soit aussi strict du coup. Mais bon, ça fonctionne très bien donc ça au moins c'est que c'est cool. C'est le plus important, c'est que ça fonctionne quand même bien. Avec un bon véhicule comme ça, ça pose pas de soucis. Il y a des petites vitesses hautes parce que t'arrêtes pas de caler. Le sprinter, il me semble, ici, il calait tout de suite. Hein. Voilà, on va calmer le jeu. Parce qu'on va s'embourber. Faudrait peut-être que je regarde c'est par où je vais passer. Ah
Ah bah ça va, ça a livré là-bas. Donc on va passer à la station service. Hop, hop. Et hop. Impeccable. Allez, let's go. Oui. Je suis embourbé. Y'en a rien à cirer, hein, le caillou il monte dessus. Hein. Oula. J'ai pas regardé où je roulais. On va faire un peu plus attention à la route. J'ai bien fait de ralentir. Ça a déjà tapé. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été à pleine balle? C'est un peu la map dépannage ici. Hein. Il y a pas mal de remorques que j'ai vues de camions. Il y a, je crois, 3 tâches de remorques, 2 tâches de camions. Ah, et on va pouvoir faire le plein déjà. Oh, il y a plus de la moitié qui est partie. Pouah. Petite photo à la station service, ça peut être stylé. Je m'attendais à ce que tu tournes un peu mieux que ça. Moi ça c'est propre ça. Ah oui, il faut que j'enlève la vignette. C'est propre ça quand même, hein. Très stylé, hein. Alors, fais-moi le plein de mon camion, de mon module, et c'est bon. On est reparti. Les petits trucs. Alors on m'a dit c'est peut-être un bug Xbox d'avoir ça. C'est possible, hein, mais ça fait très longtemps que c'est pas résolu et de toute façon je vois pas ce que je vais y faire. C'est quoi déjà le module? Je me rappelle plus. C'est Tow Truck Pow, Tow Truck Body, je sais plus quoi. C'est Pogrim. Donc c'est Pog, P-O-G, après T-O-W. Ça doit être ça, Poctow. Je l'ai mis sous la vidéo avec le Mac, là, on me l'a redemandé encore hier. On va sûrement me le redemander là-dessous. Ouh, je tourne pas. Je tourne pas du tout. Avec des belles racines en plus pour m'accueillir. Non, ça va, il passe par-dessus tout celui-là. Pour l'arrêter, il faut quand même se lever tôt. De rien. À mon avis, il faut quand même le mettre sur des véhicules relativement costauds, quoi. Du Mac. Et pourquoi tu t'arrêtes? Ah, il y a un gros caillou sous le... D'accord. J'avais pas vu, il s'était calé dessous.
Donc faut quand même y mettre sur du véhicule quand même un petit peu badass, hein. Si tu le mets sur un Fleestar, un truc comme ça, si c'est faisable, ça peut être chaud. Hein. Salut Gonzo. Je rapporte votre poubelle. J'ai pas pris assez large. De toute façon, tu vas disparaître. Et voilà. Vous m'avez sauvé, voici votre salaire comme convenu, j'essaierai de rester hors de danger. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Alors, deuxième mission de camion. Recycle, non. Direction la fourrière. Avec les fameux braconniers, là. Réservoir d'essence abandonné. Ah bah, c'est celle-là. Ah, c'est une... Ah, j'avais pas compris que c'était une attelage bas. D'accord. Ok. Bon, je vais repasser par la station service, je crois. J'en ai déjà besoin. C'est quoi, hop. Plutôt par là-bas. Ensuite, pour l'autre camion, je vais passer par où? Oh la vache, le chemin, il est balèze. Hein. Ouais. Ensuite, ouais, si je peux aller chercher par là, ça devrait. Et bah, il y a de la route. Et bah, allez, c'est parti. Alors, on va refermer tout ça. Hop, allez, on s'arrache. Salut Olivier! Bienvenue à tous les gars! Bon, on fait du petit dépannage de véhicules d'abord, après on fera de la remorque. Et enfin on fera de la livraison. Si mon œil accepte de tenir le coup. Salut Davis, bienvenue à toi. Bon live, toi lynx, c'est lynx. Merci. Un stop. Bon bah y a personne. Curieux ça. Wow. Tourne que dalle, tant pis. On va se contenter de ça. Hop. Allez, c'est parti. En espérant que j'ai assez d'essence. Parce que mine de rien, c'est pas tout proche. Hein.
fusée ce machin et pourtant je suis en autoroute, hein. En boîte tout terrain, justement. Je suis pas en autoroute. C'est une vraie fusée 53-19. Tu sais si le cop a été patch? Oui, je sais qu'il a pas été patch. Ah non, ils sont... Alors apparemment, ça... Non, ça va pas mieux, non, en fait. Non, je croyais que quelqu'un m'avait dit que ça allait mieux, mais apparemment, non. Apparemment, non, c'est toujours la merde, donc... Même des joueurs PC, PlayStation, l'autre jour, je sais plus, j'ai regardé un live, apparemment, il y a eu une merde aussi, donc... Il y a même pas de joueurs Xbox dans le tas. Alors là, par contre, je sais pas où est-ce que ça va. C'est un vendeur de remorques, ça? Il n'y a pas de remorque dans le tas. Hein. Ça a pas l'air. Pas de petite remorque cadeau ou quoi que ce soit. Eh ben, on s'arrache. Tu as déjà joué au volant sur ce jeu? Oui. Quoi? Alors là, j'ai eu beaucoup de bol, mais tu m'expliques pourquoi t'arrives pas à tenir comme ça? T'es pas à 45 degrés non plus. Alors oui, j'ai déjà joué au volant. Oui, c'était de la merde. Et oui, ça merde maintenant sur quasiment tous les supports. Même sur PlayStation, maintenant, apparemment, je sais plus, les volants sont pas reconnus, il n'y a plus de retour de force. Bref, c'est pas le bon jeu pour jouer au volant. Vraiment, les sensations sont déjà pas tellement là. Bon, je suis pas un expert en volant du tout, mais on va dire que je suis plutôt expert du jeu et au volant, je trouve qu'il n'y a pas de ressenti, il n'y a rien. C'est en plus, t'as plein de boutons qui manquent, tout ça, donc j'ai fait une vidéo dessus au volant, alors une vieille vidéo, et j'ai commencé ma New Game Plus avec le volant. J'ai fait quelques trucs sympathiques, des cols, enfin des montagnes en zigzag, en scout, des trucs, c'était marrant. Mais bon, avec un retour de force quasi inexistant, voilà quoi. Tu te fais vite chier et en plus de ça, t'as pas tous les boutons dessus, donc au final, tu souffres plus qu'autre chose, quoi. Sans parler du fait que si tu te touches à la manette, eh ben tu perds complètement le volant en fait. Il se désactive. Ça passe sur la manette, faut attendre une seconde pour que ça revienne au volant. Donc c'est légèrement dangereux. Alors visiblement il y a une petite racine là devant moi qui arrête un tank apparemment. Voilà. Pas d'intérêt, je te l'accorde. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas... Voilà. En plus, tu te fais chier, regarde là. Qu'est-ce que tu veux faire avec un volant? Voilà, là je touche plus la direction. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Là j'appuie des boutons pour changer de truc. Bon, je suis encore calé dans une racine de merde, j'imagine. Tu fais rien en fait dans ce jeu. Donc au volant, tu vois, autant dans un Euro Truck Simulator, des trucs comme ça, même s'il y a beaucoup d'autoroutes. T'as quand même de la manœuvre, des trucs comme ça, c'est assez intéressant. Ici, j'y trouve pas grand intérêt déjà. Si en plus ça marche pas bien, je suis obligé de me mettre à deux doigts de me cracher parce qu'il y a une connerie qui me bloque et il n'y a même pas de racine. Je sais pas ce que c'est que ce délire. Bon, je suis bientôt au point de non retour. Je suis bientôt au point de non retour, bordel. Ah, parce qu'il faut que je le répare aussi, celui-là, ouais, d'accord. Combien de litres? Ouais, 40, donc je vais en garder une quarantaine pour moi. Ouais, c'est toujours ça de prix. Ah, je passe par ce fameux pont.
Ça donne pas une photo terrible, surtout avec un camion de l'armée. Salut Drifter Acacia. Par contre, il cale très très vite sur un petit truc pour changer de vitesse. Là, c'est chiant. J'ai de mettre la vitesse haute pour tabasser un peu plus, parce que sinon il s'arrête, il repart et c'est un peu de la perte de temps et surtout de carburant. Quitte à consommer un peu plus, là la boîte haute est peut-être un peu plus intéressante. Ah, c'est par là. Oui. Mais encore. Alors, je sais pas s'il y a une route, j'en vois pas. Peut-être que c'était pas par là qu'il fallait que j'aille vraiment. Mais on va trouver un chemin. On va se faire notre propre chemin. Par là, ça a l'air pas trop mal. Allez, c'est parti. Oh, y a pas mal d'arbres quand même, hein. Par contre, si tu tournes pas... Ah, on est mal barré, là, je crois. Même si je tourne ici... Il y a des arbres vraiment partout. En fait, j'aurais dû couper, j'aurais dû aller par là-bas. Hein. La route, elle est là. Il y en a une là, mais... Où est-ce qu'elle va? Je sais pas. Je sens que je suis obligé de repartir. Par là, j'arriverai pas. Hein. Ils ont fait une sacrée forêt épaisse là. Donc on va pas jouer au con. Bah oui, mais avance quand même. Envoie la purée. Si tu me fais. On va pas jouer au con. On va essayer de trouver des routes. Bon, là il y a un chemin, mais. À mon avis, ça sert à rien. Il a l'air casse-gueule. Oh putain. Ils ont foutu un arbre en travers de la route là. Sympa. Ah ouais, la zone, elle est quand même... Elle est quand même un peu énervée, je trouve. Hein. T'es un warrior? Pourquoi je suis un warrior? Petite vitesse haute. Ouais, là, je suis... 86 litres, déjà? Vache. J'étais sur 100 litres il y a quelques secondes. Putain, ça part vite. Hein. Allez, avance, 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 avance. On n'a pas le temps, là. On a 40 litres de réserve, là, donc... Ça va être très, 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 très tendu, là. Hein. Alors, il y a une route, là. Enfin, il y a un passage, là. À mon avis, il faut que j'aille là-bas. Hein. Faut que j'aille là-bas, pas le choix, mais... Il n'y a pas de petite remorque d'essence, il n'y a que dalle dans le coin. Je suis mal barré. Très très mal barré là. Puis les routes, elles sont dégueulasses dans ce coin. Waouh. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Allez. C'est pas le moment de traînasser, hein. Wow. Il y a une fuite, c'est pas possible. C'est pour ça que je voulais pas mettre le plus gros moteur et que je l'avais pas mis à la base. Salut JCVD, je te laisse ton lynx, merci pour tes vidéos. Merci à toi Devils, à plus, merci de passer. Ah bah le camion, oui bah celui-là c'est un des pires, il a que 200 litres faut dire en plus hein, donc quand t'as que 200 litres hein, bah tu fais pas grand chose hein. Oh, mais cale pas, bon sang! Sérieux, y'a rien!
C'est un billard pour toi alors. Puis celui-là, il aurait mérité un petit module de toit par exemple. Hein? Eh non, on le laisse à 200 litres avec sa merde. Il y a plus ou moins une route là. Elle menait où la route là? Ouais, bah, nulle part. Hein. Il y a aussi peut-être un passage là, mais... Ah ouais, c'était le long de la rivière là. Ouais, on n'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr. Et ce qu'il y a, je sais pas si je vais pouvoir me permettre de faire de l'exploration là. Hein. Je vais avoir 40 petits litres. Non, non mais non, j'avais pris le contour là. Il y a un moment, faut que t'arrêtes de rebondir parce que j'avais réussi à reprendre. Ah là, il y a un chemin. Hein. Si j'arrive à passer le long de la flotte, il y a moyen de gagner un peu de temps, mais je vais déjà être en panne de toute façon. Je vais charger le véhicule, je vais être en panne. Il va me rester 40 litres du module. Putain, vous vous êtes gavé avec la boue. Waouh! Pour qu'un 53-19 il cale comme ça quand même. Aïe. Ouais, je sais que je suis dans la merde. Je sais que je suis dans la merde. Alors, faut que je le répare en plus d'abord. Alors, réparer. Tow truck, Fleestar. Faire le plein. Tow truck, Fleestar. Et dans le Azov, hop. Cocher Treuil. Oh, il est pas dedans. Il est pas dedans. Ah, là, il est dedans. Ah, il est plus dedans. Là, il est dedans. Au pire, on va... Hop. On lève. On le recale. Et on s'arrache. What the fuck? Comment c'est possible de ne caler qu'une roue, les gars? Vous avez bloqué qu'une seule roue. Plus ou moins, hein, visiblement. Je pense que ça va être comme ça tout le long. Non, ça a l'air d'aller. Allez, c'est parti. 67 litres pour au moins s'éloigner de ce coin pourri, mais je suis même pas sûr que ça suffise. Hein. Alors, j'ai peut-être pas trop levé le camion. Oh, il est déjà tombé du truc, vous êtes sérieux. Il est déjà tombé d'une roue, mais c'est n'importe quoi. Comment c'est possible qu'il sorte d'une seule roue? Salut Tixen. Ça y est, il est retombé dedans. Par contre, je suis en galère. Hein. Oui, bah oui. Allez, on hisse. Par contre, je voudrais bien savoir dans quoi je cale. Je cale dans tout n'importe quoi. Peut-être le camion dans le caillou. Oh là là, le truc, il est encore parti de traviole, mais sérieux. Comment c'est possible? T'étais bien calé dedans, il n'y avait pas de problème de quoi que ce soit. 42 litres déjà. Wow. C'est quand tu veux que tu tournes. Merci.
puis le camion ne veut pas revenir dans sa position. Alors, je vois le lac. Je ne vois pas vraiment de passage intéressant. Tu veux pas retomber dans ton truc, toi? Oh là là. Oh là là. Oh, je fais un sous-marin. Ah oui, c'est... Ça a l'air d'être un coin bien merdique. Et je vais endommager le camion. Non, il prend rien, l'autre camion. Mancilite, ça va être tendax, hein. Ah, je suis quasiment à la route, hein. C'était pas si inintéressant que ça pour accéder assez vite à ce point-là. Alors, si je pouvais savoir sur quoi je vais m'atteler, ça pourrait être pas mal. Allez. Allez, chope le bout de terre et on est parti. Mais on va pas aller loin. Hein. Ah, il y a un arbre là-bas dans la flotte. Ça me plaît. Par contre, j'ai toujours ce couillon qui est pas foutu d'être... Oh là là, oh ça me plaît pas ça. Oh ça me plaît pas. J'avais dit que ça me plaisait pas. Bien. Eh ben, je pense que c'est... C'est exactement ce que j'aurais aimé d'une certaine manière faire. Ouais, quoi que tu me diras... Je m'étais dit ça peut être cool histoire de tester un petit coup cette grue-là, mais... Je suis pas sûr qu'en fait ce soit une excellente idée. Hein. On a vu qu'il était complètement asthmatique le pauvre. On va tenter de lui mettre ses pneus là. Boue moyenne. Petite roue de secours, ça fera peut-être joli. On peut en mettre une seule. Ouais. Eh ben allez. On va voir de quoi t'es capable, mon pote. On va aller dépanner tout ça. Normalement, j'ai assez d'essence pour moi. J'ai de l'essence sur le toit. Donc, je devrais pouvoir le ravitailler un peu. Il y aura le vendeur de remorque à côté, s'il faut. Tant pis, on va faire du roleplay. Hein. Églou, églou. Et renverser son camion comme les autres. Oh, j'ai cherché la merde. Je sentais que ça allait mal partir. Je voyais le camion à 45 degrés. Je me dis, il y a un moment, il va dire stop. Ah là, c'était obligé. J'ai voulu essayer de poursuivre des fois sur un malentendu. Hein. Bon, il a pas apprécié. Je suis pas sûr que là-bas ça soit vraiment un coin à installer une grue comme ça, mais bon, c'est pas grave. On va essayer. Surtout que c'est quand même un 53-19 à relever. Bon. Sinon, au pire, ça sera autre œil. Hein. Il y a un flistar qui fait glouglou aussi. J'aime plus si j'ai lu l'explicatif de cette mission là. Le jeu a crash chez moi, les bugs commencent. Ah bah oui, série S. C'est pas toi qui viens d'acheter une série S ? Tu sais qui m'a dit j'achète une série S pour jouer à Snow, je sais plus quoi. Si, voilà, tu vois, je te l'avais dit. Hein. Je te l'avais dit. Apparemment, ce compte série S, le jeu arrête pas de crasher. Série X un petit peu, mais ça a l'air d'être plus limité. Mais série S, on sait pas pourquoi ça crache. Peut-être pour la même raison que le coop crash.
pas s'il n'y a pas une surcharge de je sais pas quoi, mais... Désolé pour toi. Oh, la grue, elle est pas... Elle est pas très stable sur le camion. Elle a l'air de sautiller légèrement. Niveau de la base. Ah non, c'est même pas au niveau de... C'est même pas au niveau des racks là, c'est vraiment au niveau de... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est au niveau de là. Ah oui, c'est là, oui. Mais elle est pas tout à fait droite, hein. Elle est pas tout à fait droite, je pense que là ça se voit, hein. Parce qu'elle est vraiment censée garder le même alignement, à mon avis. C'est pas droit. C'est pas droit, messieurs les développeurs. Il y a un problème avec votre grue encore. Il y a un problème, je pense. Bon, allez. Salut Triple H, comment tu vas? En vrai, ça me dérange pas, j'ai mis 15 secondes à relancer le jeu et la game. Ouais, ça va assez vite. Après, ça dépend. S'ils ont amélioré les sauvegardes, parce que fut un temps, quand ton jeu crachait, tu recommençais 5-10 minutes avant. Donc il y a des fois, ça peut être un peu relou. Bon, bah, t'arrives au moment du crash, hein, Triple H. J'ai crashé un petit véhicule. Donc du coup je pars à la dépanneuse. Ça veut rien dire du tout. Je pars à la dépanneuse, voilà. Démerde-toi. Fais ce que tu veux de cette phrase. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais vas-y. Prends. Je pars à l'aventure faire la dépanneuse. Ça sera un peu mieux. Parce que je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai l'impression de galérer un peu moins avec ces pneus-là. Hein. Quand il y a la grue, pour qu'il y ait plus de friction. Enfin, qu'il y ait plus justement de glisse plutôt que d'adhérence. Oh, j'ai failli le foutre deux ou trois fois au tas le véhicule, donc bon, fallait bien que ça arrive à un moment. Hein. Le plein, s'il vous plaît. Merci. C'est du pit stop de F1 de compète, là. Wow, c'était à peu près ça. Il roule sur la carte, celui-là, c'est dingue. Et même pas avec ses pneus boue. T'as fait comme moi hier soir avec l'hélicoptère, je suis monté, puis je suis tombé. Ah, je l'ai mis à 45 degrés, il a pas aimé. Bon, de toute façon, j'allais tomber en panne. Donc, bon... Pff. Hein, c'était pas... Ouais, par contre, votre réservoir, là... Merde, on n'a pas vu. Le réservoir, il est carrément... Il manque un tiers, on dirait. Et pourtant, il manque 20 litres seulement. J'en ai deux. Ouais, j'en ai deux. Mais ils sont tous les deux à un tiers, on dirait. À deux tiers. Puis maintenant, ils veulent plus disparaître. Psst. Je les ai bloqués, je crois.
Donc on va tenter le dépannage d'une dépanneuse. Voilà. Alors. Où que je vais? Ah merde, je me suis gouré de route. Merde. Alors il y a une remorque à carburant là-bas qui peut éventuellement être utile. Merde, fallait que je passe par là. Ah oui, j'avais pris le petit chemin qui coupait. Ouais, c'est pas grave, je vais arriver par l'autre côté quoi. Allez, comme ça on explore parce que... Ouais, j'y suis passé mais vite fait là. Allez. À la vitesse où il roule, en 2 minutes j'y suis. Sur ce coup, tu peux pas dire que c'est la faute à la Kitsunette. Il n'y a pas eu de coup de portière, c'est sûr. Ah mais non, on risque pas de couper par le rocher là. Ah, il va vraiment bien avec ces pneus là, hein, avec la grue. Hein. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus galéré avec les pneus boue. Hein. Je sais plus où est-ce que je l'avais calé, mais là, c'est une fusée le machin. Hein. Quoi ces pneus? Bah c'est les pneus de base, hein. Les pneus hors piste je crois. Non, tout terrain il me semble. Les pneus de base du véhicule. Et qui en fait fonctionnent pas mal du tout parce que le véhicule se bloque pas. Parce qu'avec les pneus boue t'as plus d'adhérence. Bah ça dépend sur quoi. Et du coup il se bloque. Et quand t'as un véhicule qui adhère moins, les pneus continuent de tourner, donc ça peut des fois aider à la motricité. Et du coup, bah, j'ai pas l'impression d'avoir galéré une seule fois avec ces pneus. J'ai traversé toute la carte easy. Vraiment, c'était une balle ce machin. Hein. Ça s'est vu, hein, même à la station-service, là, le pit stop de l'extrême. Comme la chanson de Bowser dans le film Mario. Je sais pas pourquoi elle a cartonné cette chanson. Regarde-moi ça, il s'arrête pas. Hein. Il va y aller. Hein. Ah. Là, peut-être qu'il va pas y aller. Petite vitesse lente. Ah. Pourtant j'avais de l'élan, mais... Non, tu veux pas, hein? Alors est-ce qu'il faut que je prenne un peu plus large ou avec de l'élan? AWD, bloc diff. Est-ce que tu vas accepter? Peut-être en gardant les roues pas trop droites? Non, ça l'a pas aidé du tout. Obligé de foutre un coup de treuil? Ah. Là on dirait que... C'est bizarre, il y a la boue qui bouge, mais le pneu ne bouge pas. C'est marrant, ça. Bon. Un copain arbre pour m'aider? On va pas y passer la semaine. Je voulais voir comment tu te débrouillais. Bon, visiblement, t'y arrives pas. Hein. Bon, il y avait une belle petite côte, faut dire.
C'était assez énervé sur pas beaucoup de distance. Je peux comprendre. Ah, pitié, non, je suis pas sûr. Parce que là, vraiment, il y avait quand même un très beau truc qui monte et une grue relativement lourde. J'ai pas trop réussi là, à trouver le poids. Faut dire, il y a 50 parties différentes. Le poids, faut le calculer à partir de je sais pas combien de trucs. Voilà, tu vois, celle-là, il va la... Ah. Celle-là, il a du mal. Ah, c'est bizarre, en vitesse basse, il voulait y aller. Et quand j'ai monté la vitesse basse plus, il a plus voulu avancer. Ah, les petites côtes, il aime pas, hein. Allez, allez, allez. Ah bah voilà, celle-là, tu l'as fait tout seul. Il manque un petit peu d'élan. On n'arrive pas trop à lui donner de l'élan au véhicule. Salut JPF Warrior, bienvenue à toi. C'est quoi comme camion? C'est le Kenworth 963 de la phase 10. Galère parce qu'il est en vitesse trop basse là. Allez, on voit la purée. Faut qu'on dépanne le Haze. Ah, où qu'il est? Il est encore là-bas. J'ai fait un sacré détour du coup. Hein. Là, c'est chelou. Je pense que là, c'est carrément le pare-choc qui est coincé. J'ai coupé trop court. Ouais. Waouh, le terrain, il est énervé. Hein. Par contre, le camion, il tient debout. Hein. Allez, on y est. Alors, est-ce que ça flotte? Mon nouveau sous-marin. De rien. Allez, faut un coup de peps, on est arrivé. Je sais pas du tout comment je vais sauver ça. Alors. On va peut-être se mettre face au véhicule. Oui, j'ai pris un chemin de merde. Oui, c'est bien possible. Allez, c'est parti. Hop. Et je peux pas l'attraper, je sais pas pourquoi. Ça y est, on a de nouveaux bugs. Ça y est, on a de nouveaux bugs. Je peux pas attraper le véhicule. Je peux pas l'attraper. Ni le Fistar, ni le machin. Sans déconner. Ah, ça y est, là je peux. Mets les ancres. Je sais pas du tout de quoi je peux le faire, si je peux le lever carrément. Ouais. Je voulais voir de quoi il était capable, il est quand même lourd. Merde, c'est pas ça que je veux. Oh putain. Alors...
Ouais. Oh, mais putain! Dans tous les jeux, le bouton B, c'est pour quitter. Il n'y a vraiment que Snow pour inventer le bouton A pour accepter et annuler. Ah, c'est qu'il est vachement lourd, hein. Allez. T'y es. Voilà. Ouais, c'est pas gagné qu'il en sorte quand même, hein. Je sais pas à quoi je me suis attrapé là, d'accord. C'est lui qui me coince ou quoi? Je suis complètement coincé. Je suis complètement coincé. Je vais te déplacer moi-même. Allez, viens là, mon gros. Peut-être que là, ça va aller mieux, non? Alors non, je sais pas pourquoi, mais non. Je sais pas, non, je suis pas contre le pare-choc pourtant. Je suis vraiment calé dans un coin de merde. Sans déconner? Ah oui, puis il y a un arbre sous mes pneus, d'accord. Ça c'est... ça c'est le top du top. Bon. Alors maintenant, c'est lui qui va être dans la merde. Là, je comprends pas, là, hein. Enfin, je me doutais qu'il allait merder, mais que le Azov merde, que celui-là merde, il y a un moment... il faut que quelqu'un puisse s'en sortir, quand même, là. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr, le véhicule n'arrive pas à avoir le moindre petit millimètre carré d'adhérence. Par contre, si jamais tu as l'audace de le tracter, ah bah là, il adhère et il se retourne. Là, bon, je sais pas si c'est très roleplay. 53,19 avec le module, ouais, tu vas voir, il est chouette, hein. Le Azov est stylé, mais il est asthmatique au mauvais moment. Non, il est rarement asthmatique, c'est... bon, déjà, c'est surtout qu'il a pas d'essence, hein. Là, tu vois, il glisse. Ah, là, il glisse. Là, il n'y a pas de souci, il glisse. Là, c'est... il n'y a pas de souci, il glisse. C'est vraiment que quand il a envie, hein. Et puis, j'arrive pas à le lever du tout. Il va limite se retourner dans le mauvais sens. Ou oh, là j'arrive à le soulever, bah oui, non mais là oui. Là oui. Là faut m'expliquer, hein. Là j'arrive à le lever, d'accord. Mais j'arrive pas à le tirer. C'est marrant, c'est que j'arrive à le lever mais pas à le tirer. Ça c'est un peu curieux. Et là par contre j'arrive à le lever mais pas à le reposer sur le côté, c'est... c'est très curieux comment fonctionne la grue de Snow, hein. Alors, le problème, c'est que je le retournerai bien, mais... il va tourner du mauvais sens, hein. C'est dingue, hein.
C'est dingue, il va tourner du mauvais sens ce bâtard. Et là, il va glisser. C'est... Voilà. Merci. Bon, par contre, je suis en train d'un petit peu perdre de l'essence pour que dalle. Alors, le Fleestar. Tu vas être un peu loin, mon pépère. Ouais, tu vas être un peu loin. Déjà, on va être sûr. Ah oui, 2 litres. Ah, et ça craint, hein. Faire le plein, de toute façon, j'imagine que... Ouais. Je peux pas aller piocher dans sa malle d'outils. Ça va, 140, c'est pas mal. Voilà, il part tout seul, là. Là, il y a... Bon. Rien n'existe, là. C'est... Chelou, quand même, hein. Alors, du coup, il y avait une remorque d'essence de l'autre côté. Par là, il y a le vendeur de remorque. Ah, c'est là où je dois livrer, en plus. Donc, de toute façon... Au pire, je téléporte le véhicule, donc on va plutôt partir par là-bas. Ça roulait pas mal, je vois pas l'intérêt de repartir de l'autre côté. Bon, ça c'est fait. On repart avec lui. Vu les reflets hérissés, l'eau doit ne plus être potable. Ah, je suis... Non, je tenterai pas, là. Bon, le Fleestar, par contre, ça devrait pas poser de problème pour le soulever. Si jamais je peux le toucher. Ah, il y a le bug. Quoi? Aucun point d'ancrage visible? C'est moi ou les points d'ancrage sont en fonction de la distance du camion? D'accord, tu m'attrapes vraiment n'importe quoi. Je vais me débrouiller moi-même. C'est bon cette fois? Non, c'est pas bon. Putain, mais sérieux! Non, mais vas-y, ça pue! Toi, je sais pas pourquoi tu recules, mais... Je peux le toucher, le véhicule! Putain! Non, j'en ai marre de ce bug! J'en ai marre de ce bug, sérieux! Putain, vas-y! Non, mais là, ce bug, je le déteste, quoi! Je fais quoi? Je fous en l'air ma grue que je viens de m'emmerder à emmener? Ça a vraiment pas de sens, quoi. Ah là, ça y est, là j'ai droit. À mon avis, faut pas que ce soit trop loin. Hein. Je crois que j'ai une touche. Je crois que j'ai une touche. Ça me dit pas que t'es au maximum là de. Alors, c'est peut-être parce que le camion est trop lourd. Bah, si. Je crois que j'ai pêché un gros thon. Je pense que là, j'ai une touche. Ah, d'accord. Évidemment, je me tape le soleil en pleine poire au moment où je veux avoir une photo à peu près marrante. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? De l'autre côté, ça aurait été un peu plus sympa, je trouve, mais... Évidemment, il y a le lance-flare habituel. Ou alors, je peux mettre un temps de merde. Non, comme ça passe pas mal.
Allez hop. Allez, viens là, pépère. Allez, tu viens. Bon, le pare-choc arrière risque d'être un peu rayé. Mais tu vas t'en sortir. J'arrive rien à voir. Ah, ça y est, je le porte là en étant un peu plus près du camion. Oh, il fait la toupie, c'est trop mignon. Alors, on peut tourner un camion. Il est en train de braquer ses roues ou c'est moi? Alors, le problème, c'est que j'arrive pas à le mettre du bon sens. J'essaie de raccourcir le bras pour avoir un peu plus de puissance, mais ça y est. Ouais, par contre, il retombe. Il m'a réétendu le bras, cet abruti. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Ça ne lève pas assez haut, cette grue. Hein. Elle a vraiment un angle de merde. Hein. Du coup, tu peux pas avoir la puissance qui est nécessaire, quoi. Non, ne réétends pas le bras, merci. Voilà. Voilà, tu poses. Tu poses ou tu l'enterres, là? J'ai des doutes, hein. Ah! Et il compte rester comme ça longtemps ou ça se passe comment? Ok. Ok. Voilà. On va essayer de le faire sortir quand même, lui. Oh bah il a l'air de s'en sortir même sans treuil. Après le fish and chip, le fish and oil. Ah non, il y va pas. Hein. On était pas loin, mais... Allez. J'ai pas spécialement besoin de te sauver, mais je vais te sauver au cas où. S'il y a besoin d'essence et tout ça, je vais te laisser de côté. Bon, j'ai 140 litres avec l'autre, je sais pas ce que je vais réussir à faire. Bon, bah il m'a quand même servi. Bon, c'était pas exceptionnel, mais... Alors... Hop. Hop. Ah et par contre ça soulève le camion, ça c'est abusé. Alors est-ce que tu vas te foutre dans les racks cette fois là? Parce que tu m'as un peu saoulé tout à l'heure. Et je sais pas pourquoi mon camion il recule. Ils sont dedans? Non, ils sont pas dedans en plus. Hein. Alors je pourrais le lever. Hop hop hop. On se calme. Je voudrais que tu te mettes dedans. Voilà. Why not? Hop. Et il ressort, hein. Eh, c'est incroyable, c'est pas le même pneu cette fois, c'est dingue. Pourtant, je l'ai bien mis dedans, hein, mais... Il veut pas rester dedans, c'est incroyable. Pourtant, t'es nickel, hein. Alors, peut-être que tu es trop large. Bah, quand même, si t'es trop large, là... Ah non, y a rien à foutre, hein. Il veut pas y rester dedans. Ouais, je vais finir par faire une connerie et tomber en panne avant d'arriver. Ah, on dirait qu'il déborde un peu sur le côté, hein. Ouais, bon bah... Il est vraiment pas large, son machin. Hein. Il manque un peu de largeur, son module, je trouve. Hop, hop, hop. Je pensais que ça tournerait mieux que ça. Ah, il a l'air de mieux tenir, cette fois. Ouais, non, c'est... C'est relatif, hein. C'est très relatif. Ça tient peut-être, mais...
Ah, c'est quand même un crève-cœur hein, de voir ce pauvre petit Azov être aussi mauvais, enfin être aussi faible en essence parce que il est cool. Hein. Yo l'ami Gitsun, comment ça va? Précise à qui tu dis ça parce que y en a qui vont pas comprendre. Hein. Bon, ça va, l'essence, ça devrait aller, je pense. La route est plutôt bonne jusque là-bas. C'est moi ou il a son frein à main, le... Merde, je peux pas regarder de... Alors, soit je l'ai mis trop haut. Ah ouais, non. Je l'avais mis trop haut, du coup, ça lui bloque les roues, presque. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, ça. Ça coule quand même. Hein. Bon, j'ai perdu 40 litres déjà. L'essence, faudra en jeter comme les Hanks, ce petit Azov. Bah ouais, faut le mettre à 300. Mais bon, les développeurs n'ont plus rien à cirer. C'est ce que je te dis. Le Hank, le Freightliner M916, le Azov 5319, le Pacific P512. Éventuellement le 5600 Twin Steer qu'il faudrait un peu augmenter, sera déjà pas mal tout cela. Et ils s'en battent les couilles, hein, qu'est-ce que je te dise. Préfère laisser des camions être totalement pourris et inutiles alors qu'à côté tu peux les taper des mods qui ont 64 000 litres d'essence. Ah mais c'est... Bah oui, faut m'expliquer. Hein. Si t'as envie de cheater dans le jeu, tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, tout le monde s'en fout, c'est que pour toi. Donc... Je vois pas l'intérêt de pas mettre 300 litres, il y a un moment. Surtout qu'ils ont réussi à mettre à jour des camions sans que ça bug. Donc s'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent, quoi. Ouais, je crois qu'on est arrivé. Ça serait bien parce que l'essence coule, hein. Bon, t'as 22 litres quand même. Hein. Si on le pousse un petit peu. C'est legit, 64 000 litres d'essence. Oui. Ah, il y a AGL, hein. Il fait des très bons mods. Hein. Je peux pas avoir ça, moi. Alors, et ici aussi ça a l'air d'être à réparer, non? Ah non, c'est les auvents, d'accord. Ah, quoique là, non, pareil. 55 litres, ah oui, faut quand même que j'arrive là-bas au bout, s'il te plaît. Waouh. Je sais pas combien de mètres j'ai parcouru, mais ça doit pas être très haut, hein. Alors c'était quoi le texte? Nous devons confisquer ce camion, il appartenait à des braconniers, réparer le camion et livrer l'os en entretien, vous serez payé une fois livré sur place. Alors là, si on n'a pas une mission qui n'a aucun sens, réparer un camion de braconnier et le livrer, je vois pas l'intérêt de le réparer. C'est au cas où ils reviennent le chercher pour être sympa avec eux, c'est ça? Désormais, ce camion servira au bien public. Voici vos frais de livraison. Ouais, ça peut s'expliquer comme ça, mais bon. Les braconniers, ils sont pas choucards. Hein. Ils vont pas venir. Ah, vous avez pris mon camion, c'est cool, vous avez bien fait. Non, je pense que si c'est des braconniers, ils vont le reprendre leur camion. Hein. Et puis, merci de l'avoir réparé. Bon, et ben voilà. On va stopper la vidéo là-dessus.
On ça sera bien amusé avec le petit Azov et puis le petit Kenworth. Oh, je vais le ramener à la maison. Ah, je vais peut-être le laisser sur place au cas où. Je vais aller avec un autre camion faire des remorques, donc on va le laisser là. Allez, on coupe.